Et c'est parti pour la troisième course de la saison. Abu Dhabi, on part quatrième en course sprint. Est-ce qu'une pole position est possible? Peut-être. Trois tours pour se battre. Et on va tout donner, surtout que l'équipier n'est pas là. Doug Dix n'est pas là, il est malade. Il a la grippe aujourd'hui. Donc on se bat pour lui aussi, on pense à lui. D'où il nous regarde. Ah. Pourtant, tu manques de recul, Fab, en général. Il est devant toi. Eh, amusez-vous bien. Super. Il y a quelqu'un qui... Ah oh oui, t'as faim, Tom. Attention derrière. Qui c'est? Qu'est-ce que t'as fait, la voiture? Ah ouais, tu m'as un petit peu fait peur, mais au calme. Oh putain. Wow. Ok. Non. Pardon, Tom. Pardon. T'as beaucoup Milo de... Pardon. Eh bien, tu sais, bien, Ferrari. J'ai pas eu beaucoup de place. Ah merde! Vous freinez, oui, monsieur. Mais j'existe! Freinage, là. Monsieur Tom. Ah oh, merde! Je suis. Oula. J'existe. Cogiteur, attention, Tom. Tu t'es touché, Tom, tout à l'heure? Merde. Oui. Ok. T'as eu des dégâts? Non, ça va. Ok. Radaï, je t'ai pas foutu de dégâts? Ah, mais. Comment? Non, pas toi. Bon, bah moi je m'en suis collé du coup. Oh, ah ouais, ah voilà. Est-ce que ça mettrait pas une pénalité, ça? Allez, ça pose les jetons. C'est ça qu'on aime. D'accord. Ah, moi j'ai pris avertissement sortie de piste, justement, en évitant, mais bon... Oups. Pas sûr que je tienne, Gus, hein. Je te préviens. Fais ta course, t'inquiète. J'aime bien batailler avec les Mercedes. Ça va bien 5 minutes, les fermetures de porte, là. Allez, je dirais que t'as pas aidé en prenant pas ton virage. Le groupe vit bien. Ouais. Merci pour l'aspect, Gus, Gus, t'es un amour. Tom, s'il me pousse. Bum draft, on est en NASCAR ici. Ou un passeur, c'est en Aston. Au choix, oui. C'est un peu le plus démarrage. Je me suis écarté sur ma chaise. Quel connard. Vraiment. Ah, c'est réaliste. J'y ai cru. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi j'ai zéro appui. Ah. Non. Encore, vraiment. William. Oh là là. Oh, c'est pas bon. Ouais, d'accord. Oula. Oh, chez Ferrari là. T'as touché que juste. Il fout, là. Du tout. J'ai vu des étincelles. Bah, je sais pas, on me laisse pas de place en piste quand. Je suis tenté la place. Ouais, mais en premier tour ça laisse pas la place alors qu'on fait une défense. Bon, franchement, j'ai compris, monsieur Lowe.
Ah bah pour le coup. Pour le coup, j'étais plutôt bien éviter les ennuis sur le premier tour parce que j'étais à l'intérieur de l'épingle, c'était chaud. Hein, j'ai... Ouais. Puis à l'intérieur de mon aile, puis à l'intérieur de mon aileron, puis. Parce que Shadp m'a pas laissé trop beaucoup de place à droite, j'ai dû me recaler. Après, j'ai regardé. On s'est touché sur la ligne droite. Mais il m'a mis deux fois deux décalages comme ça. J'ai me satellisé, j'ai eu peur. Ça sera la troisième place pour la grille de départ de la course longue. Nous, on va avoir souvent 3 quarts d'heure d'attente, autant de tout refaire les rooms, parce que comme d'hab, ça bug beaucoup sur ce jeu exceptionnel. Mais pour toi, ça va changer directement YouTube. Hein. Bonne course à toi, j'espère que tu kiffes. En tout cas, si tu kiffes ce contenu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, à t'abonner pour plus de F1 et bien d'autres jeux, bien sûr. Et si tu veux participer au SSC, sache que c'est ouvert, tu peux venir jouer quand tu veux. Tu as le lien du Discord en description, n'hésite pas à nous rejoindre. Et à tout de suite pour la course longue. La course longue, mesdames et messieurs, on part troisième, comme tu as pu le voir. Flo en tête, Iris est intouchable. Mais Gus, pourquoi pas essayer de le suivre et on pourrait tenter des grosses positions. Attention aux Ferrari qui vont revenir derrière. Attention à Faba, Quentin qui vont monter, à Benlop aussi. Et Chad, ça va être très dur. On va être en course de défense. Bon courage à toi, mon cher YouTube. Il est entré des stands comme on les régisse laisse pas aller, ça. Ouais, je vois. Ouais, alors cela dit, le résultat peut être le même. Hein. Ouais, il va falloir faire attention à l'entrée des stands. Non, moi je mise tout sur le premier virage. Un freinage tardif, c'est le drame. Tardif, c'est en au Pays de Galles. Gus a choisi les softs. Il a bien raison. Bah, du coup, Pyro, on se laisse un peu d'espace. Hein, comme Zébilo aussi. Et Radaï et Quentin aussi. Espéranto aussi. Bref, moitié-moitié quoi. Ça, je voulais dire. Tout le monde se dénonce. On va vivre pour le risque. Ça prépare à la game d'après. Hein. Ça prépare aussi. C'est ce que j'allais dire aussi. Je vais être honnête, les deux stratégies fonctionnent. Il n'y en a pas une qui vient pilote. Les deux sont pourris. On peut le dire. Les deux sont à chier. Techniquement, oui. Ah, non, on n'a pas l'air. Technique Kimi Karikonen, Bilo dans la ligne droite. Parce que normalement, c'est bien, bien droit. Pas la ref, moi. Parce que normalement, c'est sort. C'est sort hard normalement. Mais les rangs sont bannes donc. Voilà. C'était en 2017, je crois, à Abu Dhabi. Où tout, ouais, le monde tout, faisait... tout le monde fait des virages et lui il est tout droit. Il des sort. Waves ouais, sauf. Ouais, Et il a raison d'ailleurs. Ok, c'est le moment d'être agressif sur Ben Lop et de lui faire un gros dive et une grosse queue de poisson comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Gros Jean, be like. Mais, eh oui. Ça fait. Eh ben voilà, eh ben voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Mais le mec il se renverse sur mon aileron. Oh les pneus, les pneus qui vont être froids pour le départ. Mais littéralement le mec il se met devant moi, il freine devant moi, il se met sur mon aileron. Je parle en tant qu'admin, tu peux le sortir. Mais je sais même pas si j'ai des dégâts ou pas en fait. Non, y'a pas de dégâts sur la formation. Y'a pas de dégâts. Bah les pneus ils vont être froids si. Le tour de formation. Bah ouais. Ah les pneus. Ça va, heureusement ça chauffe vite ici. Oui, ou alors, je rappelle que j'ai fait un départ en pneus durs à Las Vegas avec des pneus qui n'ont pas chauffé une seule seconde. Ça n'a pas changé énormément de choses. Ah. C'est peut-être pas un jeu qui est à fond sur le réalisme. Ah bon peut-être. On passe le coucou à Sambibor qui nous souhaite à tous une bonne course, les refs, il a écrit. Merde. Bien joué. Allez, 3 mètres de gagné. Je suis placé à 800 mètres de tout. Allez, crois moi, bien sûr. Ouais. Bonne course. Ouais, bonne chance. Bon course. Yep. Oh, le départ de Gus, putain, incroyable. Logique, hein. Chill, hein. Oh, oh putain, attention derrière. Ouais. Désolé Esperanto. DKT. Demande si t'aurais pas fait la même erreur. Oula. Red Eye. Hein pas le ça serait pas le vibreur Ah oh non, j'ai pris une bonne contact Ferrari. Avec, oh. Avec Bilo. Ah ok. Désolé Gus. Ça va. Et j'ai réussi la strat. Allez, c'est parti. Ça y est, toujours ce bug d'ailleurs du
freinage trop fort, mais quand même. Première murtime. Ouais. Je crois que la fumée est toujours là, alors que. Oh. Bah, moi, c'est vrai que souvent je regarde les ralentis machin où j'ai beaucoup de fumée, alors que moi je la vois jamais donc. Ok, donc ça veut dire que ce bug est toujours là, très bien. C'est bien possible. Ouais. Ça passe Ça passe. Chier. Hmm. Oula, chat, je t'ai vu de déco. J'ai repensé. Ah non. Non. Mais genre une demi seconde, tu vois. Ouais, t'as eu un petit rollback. Et comment j'ai perdu du temps? Ah. Allez, soft, ça va être bien pour mieux sortir. Ouais, c'est vrai. Oh merde, excuse-moi. Ouais, Ben Lop, ça va, on s'est touché? Ouais, c'est pas grand chose. Ok. Optimiste. Vas-y, vas-y. T'es un peu fermé sur moi. J'ai senti les vibrations. Ouais, je sais pas. Vas-y. Oui, moi aussi. Oula. Oula. Merde. Coup de fumée. C'est quoi, Anto? Rien. J'ai voulu tenter de dépasser, sauf que... pas aller à temps, c'est... je voulais pas sortir. Allez, continue, Chad. Si j'allais plus loin, je pouvais pas... Ouais. Merde. Tu m'as fait perdre la voiture, ouais, c'était... J'ai voulu essayer. Oui, vu la situation, reste le plan initial, Chad, pour l'instant. Hein. Il aurait fallu que j'aille de l'autre côté. Ok. Ouais, t'inquiète. Toi, aller à l'intérieur, ça aurait marché. T'as pas eu de dégâts, Bill, hein? Je pense okay, pas. I'm cool with that. C'est passé quoi entre vous deux, Dieu? Juste accrochage à l'épingle. Ouais, il a pris l'intérieur, je vais être un poil trop fermé, je sais pas. Un long câlin. Ça s'est touché, ouais. J'ai pas de dégâts, donc bon. Du chiant qu'on perd sa avec place. Avec la bonne physique bien gluante du jeu. Mmh, c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on avait une chance de ressortir tranquillement et le jeu. Le jeu m'a dit non. Ponton, ponte l'aileron. Salut, hein, c'est l'aileron inconnu. Tiens, bon, je t'ai dans deux tours, tu vas les rattraper. Les médiums, c'est dur au début. Ah, si c'est dur, c'est pas bon. C'est vrai, ça. Ah, je dois te laisser passer, Gus. Réussi. Yes. Allez. Wow, Gus, t'es touché. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu m'as fait un peu peur, quoi. C'était chaud. Comme ça, ça arrive, hein. Et passe partout. Pas tous des robots, hein. Ah, c'était une belle bataille, Gus. Ouais, en fait, hein, c'est le vrai inconnu. J'ai modifié la caméra embarquée pour que... avoir justement un peu plus de... impression de vitesse. Oh, Chad, non? Ah bah... Mais je crois que c'est tout seul, Chad, non? Je suis désolé, mais là, moi, je pouvais pas faire autrement. J'étais sur l'extérieur. Ah, bon. Ah, on verra les replays, bien sûr, on verra les replays. Je suis désolé, mais... Passons l'incident de course. C'est vous, monsieur, bah. Vous êtes incroyable. Oh, attendez. Comment vous dites ça? Oh, putain, alors oui, j'ai failli faire... Oh, mon Dieu. Failli achever la course. J'ai failli être beaucoup moins incroyable. C'est vrai que les softs, ils vont commencer à chuter. Oh. Relâche pas, Chad. Hein. Si tu le sens pas, fais moins 2. Hein. Pousse en moins.
Ok. Copie, copie. Vas-y, passe parce que je suis. Merci. Voilà, ça y est, le quatrième tour est passé, maintenant je suis tranquille. Tu n'étais pas là avec les 3 secondes d'avance? Première matin de passer. Oh, j'ai pas le DRS. Et au 5ème. 7-7. Ok. Putain, merde. Bah en fait, Chad, ce qui s'est passé, c'est que sur le milieu de la chicane, t'as ralenti. Du coup, ça m'a ouvert la possibilité d'aller sur l'extérieur. Et quand je t'ai contourné, je pense que nos trajectoires se sont croisées à la sortie. Et bah, le jeu, la physique du jeu t'a envoyé en tête à queue. Vraiment de nouvelles physiques à prochain 24. Non, pas de problème. Alors, pour être honnête, Fab, connaissant le setup de chat qui parle du bien, je pense que c'est malheureusement normal qu'il est parti en vide. Ouais, mais de toute façon, tu sais, c'est toujours pareil. Hein, quand tu touches, quand t'es celui qui est le moins avancé des deux et qui a contact roue arrière ou avant, en général, c'est celui de derrière qui part. Sur cette course, j'ai un setup assez extrême là. Hein. Putain, les pneus chauffent là. Ok. Pas facile la trégu. Non. Surtout quand on a le rouge qui commence à drop. C'est aussi plus facile que de prendre un départ après s'être fait téléporter. Quatrième. Oh merde. Complété, ressenti 12. On s'est touché, Pierrot? Ouais, mais très peu. Et je suis puni de DRS en plus, c'est terrible. Ouais, je sais pas pourquoi c'est moi qui l'ai eu là. Tu vois même pas que le DRS activé, je crois. Un peu long ce fringus Gust, hein? Un peu quoi, pardon? Un peu long? Ouais, bah écoutez. C'est un train de fret. Ça freine pas bien. Un frein de traite du coup. Évidemment. Là, le dernier time arrive. Ça va aller, Quentin? Vache. Yeah. Oh, déjà un pit. C'est beau. Oh, Bilo. Je sais ce qu'il tente. Il est génial. Tour de la si tu fais fonctionner ta stratégie, Bilo, t'es un génie incompris. Non. Je suis déjà incompris, hein, mais je sais pas si je suis un génie. Bilo, il essaye juste de justifier les changements de règlement sur le fait que... Il tente surtout une diversité stratégique. Il est surtout en train de tenter un double stop. C'est pas le seul, Quentin, aussi.
Et si on avait compris, hein, Flo. Et s'il run super bien, il peut vous baiser la gueule, hein. Chier, mes pneus, mes pneus, mes pneus, mes pneus. Il faudrait presque me rassurer sur mon changement de plan. Il est que à 17 secondes, Quentin, du coup. Ça veut dire que Bélo aura le meilleur tour tout à l'heure. Hein. Oula. Ça commence à bouger. Oh, j'ai pris le DRS. J'ai jamais eu. Oh, mais... Troisième secteur. Ce qui a un rythme intéressant, que c'est soft. Et pourtant, il a chuté le rythme là. Mais c'est intéressant. Compte. Parce que je te presse pas tant que ça. Le rythme, il a changé. Avait passé. Ouais. Non, c'est une illusion. C'est une sensation. Magie ou illusion? Ok, il m'en prend quand même 3 secondes, quoi. Y'a Noé. À chaque fois, le sortie du long gauche. Ouais. Et Janis au panneau, bien sûr. Pardon. Monsieur Hamilton. C'est... Monsieur Hamilton. Rotation supplémentaire. J'ai pas de dégâts. Tant mieux. J'appelle Monsieur Hamilton pour un move en particulier ou parce qu'il est chez Ferrari? Pour le move, le contact qu'Hamilton a fait sur Gasly à Abu Dhabi. Ah. Le moment.
Maison de retraite quand même. D'accord. Oh, c'est le moment. Pff, c'est la fin de saison, j'ai plus rien à voir. Je vais même pas vérifier que quelqu'un tourne devant. Pas anticipé qu'une F1 ça freine si fort en fait. Donc c'est inattendu ça comme, comme concept. Ouais. Ouais, il y a des moments où elle freine pas assez. Bilo qui se relaie derrière moi 20 millisecondes juste pour prendre la semi. Il a raison. Ah, il est au petit hein. Itch. Quoi? What the fuck. T'as plus de pneus du tout, bordel. Désolé. Ce qui est... Oh putain, j'ai cassé le ballon du coup. Et deuxième et troisième ouais, qui n'ont pas décidé de se relayer. Bah non, il va plus vite en ligne droite. Oups. On va faire un tour en plus. Une entrée sans un sourire. L'association. Cela dit, j'aurais peut-être dû le faire aussi. Faites gaffe, elle est serrée l'entrée au centre. Oui. Et ben, j'ai pas forcé. J'ai bien fait. Oh non, mais ah, sinon, il y aurait eu les safety cars attendus. Donc, les IA, je voulais aller tranquille dans les stands. Bon, ouais, un tour de. Oui, bien sûr. Ouais, il freinait un peu tôt. Heureusement, c'était cool, les IA. T'étais en médium, Jérôme, non? Ouais. Bah, j'aurais dit merci Bilo en retour. Tu m'as un peu rendu service. Oh putain, mais... C'est bon, cette fois-ci. L'entraînement à l'entrée des stands a failli pas porter ses fruits, mon cher monsieur. Déjà, il y avait plus. Ah oui, quand même. C'est failli, c'est important. Vite, les pneus. Bon, tu veux pour le restant de Chad, hein, du coup. Hein. Parce que là, je pense que t'es libre. Ouais, non, mais on va tenir. On va tenir. Ouais. Yep. Base. Bordel, est-ce que je t'ai mis un tour? Bien d'avoir du grip en sortie de virage, non? Ouais, mais tu fais deux stops, Pierrot. Oh, ouais. Merde. T'as pas laissé de place, Benlop? Si, 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 si. Du coup, j'ai pas écouté ce qu'il me disait. Ok. Okay.
Oh putain, moi j'ai plus d'avoir ailleurs. T'as tapé? Bah oui. J'étais pas bien quand je t'ai reculé. Drapeau jaune. Ouais. Pas longtemps le drapeau jaune. Ah bah box Shadow, il box tôt. Copie. Ah. Ben Lop qui a plus de voiture. Ben Lop j'ai plus de voiture. J'ai plus d'aileron arrière donc. Les pneus sont surchauffés peut-être non? Non mais j'ai plus d'aileron arrière, je peux plus prendre un virage. À ce point ouais. Ouais. Oui, pendant un moment, je me suis pas souvenu qu'il y avait cette espèce de truc là. J'aurais dû doubler par là. Ouais, heureusement que j'ai regardé. Non, je suis désolé, je me rappelle. Non, mais c'est pas grave, mais. Ok. Ouais, j'ai du grip. Ouais, tu m'as quand même un peu fait peur, mais ça passe. Attention, Ben. Ouais, je sais que tu arrives, t'inquiète. J'ai des yeux, une map, en rétro. Attends quoi, ils sont déjà là. Oh. T'es pas allé jusqu'à dire que t'as une conscience par contre. Non. Ça veut dire que je vais me les prendre à la sortie. Oh, sur la map, la jonction entre l'ancienne et la nouvelle section du circuit sont visibles. Il y a un pixel où ils ont oublié de peindre la couleur. Oh non. Stade, j'extends d'un tour. Ouais. Ça va tout changer. Ok. Je pense, ouais, vu les cas. Tu as peur qu'on sorte à la bagarre, Flo, et que tu perdes ton aileron? Moi, je suis pour que vous vous accrochiez, moi, personnellement. Je sais pas pourquoi. Oula. Mais ah merde. Oh. Oh oui. Oh oui. C'est une blague. Vas-y, chat. Ah, c'est que la VSC. J'aurais pas dire si c'est bon. Oui, bah je ralentis, hein. Je suis quasiment à l'arrêt, Jeff. Hein. Ralentir plus, hein. Il y a Spin là. C'était moi. Ah. Sans grande surprise, parce que j'ai spin littéralement tous les virages, j'ai fait deux tours de retard en un tour. Mais j'ai spin en fait entre les deux derniers virages et je pouvais pas repartir parce qu'il y avait des gens qui arrivaient, donc j'étais à l'arrêt.
Donc Quentin, ça a été chaud. Attention, je dois ralentir pour le delta. Est-ce que ça a une baisse? Ouais, j'étais en automatique, donc j'ai pas géré la sortie du stand. Non, mais ça a été chaud en termes de... Ah oui. T'es devant moi, quoi. Je pensais que tu rentrerais... C'est quoi cette longue VSC? Ah ouais, ça me casse les couilles. Pareil. Ah bah voilà. Tu faisais demander. Ah, le timing bien chiant en plein milieu du virage. Ouais. Allez, commande! Je vois plus le point cyan qui était derrière moi. Pardon pour la frayeur. Ça glisse dans le coin. Oh non, je vais pas perdre le Grand Prix sur une VSC, hein. Hors de question, hein. Bah, au moins t'as rien perdu sur la VSC. Non, rien, t'as rien perdu sur la VSC. Je me prends les tirs en PayPal. Oh merde. Oh, yes. Oh putain. Oh non. Oh, c'est pas ma faute, ça. OMG. Non, c'est vrai, y'a eu pas double. Y'a pas eu double yellow. Il y a eu contact entre Flo et... Yellow, si. Ouais, ça avait... Oui, ça avait provoqué un vieux... Et Tom, c'est parti dans le mur. La course propre de Tom, Fab, double stack, je pense. Ouais, non, mais clairement. Bon, faut qu'il laisse faire voir le delta à un moment donné. À vous. Oh, putain. Oh, la blague, là. Je suis déjà suffisamment... Ouais, un petit drapeau rouge pour que je puisse réparer. On peut réparer son drapeau rouge? Pas les ailerons arrière. Hein. Ouais, oh la blague. Oh, allez, le delta, là, je suis à l'arrêt. Oh la blague. Du coup Flo, hein, je fais aussi double. Fais-toi confiance. Oui, vas-y. Putain. Il s'est passé quoi, du coup? Ah putain, du coup, c'est Bilo qui rafle la mise. Putain, quelque chose. Apparemment, il y a eu. Monsieur, j'ai encore failli. Détends-toi. Au même moment, j'ai vu. Benlop. C'est Fab et Tom qui sont touchés? Ouais. Non. Non, c'est avec Flo. Ah. À la sortie du long gauche. Et Jani. Ça arrive. Long gauche, oui. Mmh. Vite. Elle va être longue, cette safety car, en plus, ça va plus rien. T'as le temps que j'arrive à me rejoindre en speedo tous les virages. Ah merde, retard trop important, merde. J'étais en train de ralentir en pensant que c'était Delta. Vous êtes garé, monsieur. Vous êtes garé. Let's go, laissez-le. Eh bah voilà. Bon, combien de temps? Ah mais t'es là? Ah, en vrai, vraie question. Combien de temps tu vas me doubler? Je voyais pas. Je pensais que t'étais beaucoup, ça va? Non, mais c'est que je suis arrivé super vite. Mais je te voyais même pas en fait, je regardais derrière moi, comme ta voiture. Ah bah, dans le secteur 3. Bien sûr. Elle rentre dans les virages du secteur 3, là, elle s'approche de l'hôtel. Oh là, c'est l'homme de la nuit. Mais j'ai essayé de prendre un peu de distance avec moi, s'il te plaît, j'essaie de viser le réservoir. Oui, essaye de miner le réservoir. Plus longtemps cette safety car dure, fais comme tu veux. Je vois pas, mon ego sera sauvé parce que je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi. C'est vrai. Bon, à la Roland, je passerai en mode commentateur. Ah, bah oui. Ah. Incroyable. Tu pourras commenter ma course, s'il te plaît? Bah, j'ai vu ton magnifique coup de raquette, il a été diffusé. Excusez. Roland, enfin, Federer est jaloux. quel coup de raquette? Voilà, je l'ai précisé. Celui du tour précédent dans l'avant-dernier du virage. Très beau revers. Parce que là, chaque virage, si tu veux, je peux pas. Oh, pas mal, l'entrée drift. Je peux pas arrêter la voiture en fait, jamais. Delta, tu sais pas. Je peux pas arrêter la voiture.
et je peux pas. Ah mais c'est ça, vous voyez, turbo, quand Max Verstappen il demande une voiture pointeuse, et bah tout le monde n'arrive pas à la piloter, hein. Ah ouais, exactement. Pointeuse, parce que pointeuse... Non, pointeuse. C'est vrai. C'est pour faire plaisir. C'est vrai que c'est... Elle beaucoup, hein. Ouais, et puis c'est pour d'autres choses, effectivement. La voiture de Norman, bien sûr. Oui, bien sûr. Ou de Christian Horner. Oh, bien, joli, belle. La référence. C'est propos, n'engage que Tom's. Pour le moment. Magnifique reverse entry. Oui. Oui, elle est bien. Un hein. Train de Roger. Hop. Et oui. Ah, ah, ça tient. Oui, mais il tient. Oula, oula. Oui. Oula. Je vois devant moi, là. Ah. Ce qui est bien, c'est que tu vas aussi vite que la safety car, du coup. Du coup, elle va durer 5 tours. En fait, j'ai aileron et diffuseur qui sont pétés, donc. T'en mets du temps, Pierrot, il ne savait pas que t'étais si bon que ça. Bon, tranquille. Tu prends mon temps. Oh putain, Terry, je vais pas pouvoir avoir le replay pour pouvoir faire une enquête. C'est pour ça que j'ai le finir, en fait. Voilà, honnêtement, de mon point de vue, c'était un peu difficile de voir. T'en verrais très grave. Non, mais il y en aura déjà une pour voir. Oh, pour ah, ça reprend. Ah, ça va rentrer, les gars. Faites attention. Ah, je passe en mode commentateur dans l'autre channel. Bon courage. On te rejoint peut-être après. Merci. Quoi que non, je vais rester là, je vais juste me full boot. Ce sera mieux. Deux fois. Je vais avec les nerfs. On faut avancer, hein. Parti. Oh, ça y est, ça repart. Oh, mais c'est arrivé. Oh là. J'ai eu un truc, moi. Je suis désolé. Oh là. Oh là, amigo. Putain, j'ai eu un recul. Tu vois, tu disais que je manque de recul, alors que... C'est quoi, moi, niveau batterie, Pierrot ? Ça en fait deux, ce soir, monsieur, là. De full, c'est du bluff. Non, 100% du bluff. En vrai, ça régénère pas mal sur le circuit, je trouve. Oui. Et puis il a pris du temps pour revenir, donc il a régénéré de ouf. Hein. Oh putain, c'est pour ça. Quel... Putain, circuit de merde aussi. Hein. Eh, ça va, j'ai un handicap, ça peut te rassurer. Putain. Pff. Ah, vas-y. Pas j'ai envie de jouer, hein. J'ai pas le choix d'y aller vite, hein, je suis désolé. J'aurais pu faire une... J'aurais pu faire une Jedha... saison 19, mais ça va. Oula. Moi je respecte. Oula, les propos. Ah, les souvenirs surtout. Je me mets quand même comment Jeff m'a rassuré en me disant que je suis dans le top 10. C'est gentil. Ouais. Alors, c'est heureux. Ouais, mais il te le dit, c'est ça qui est important. C'est vrai. Il pourrait ne pas te le dire. C'est vrai, il aurait pu être froid en me disant que j'ai perdu une place.
Oula. Ok. Monsieur Lop. Non. J'ai hâte de la prochaine safety car. Elle peut plus arrêter la voiture, c'est un enfer. Combien de temps on perd par rapport à... Vous célébrez un titre, Monsieur Lop, ou quelque chose? Ouais, je vais faire des donuts là-bas, là. Gus Gus, tu me vois avec une croix? Je vois plus avec une croix, perso. Ah, changement d'hôte. Ah, merde, putain. J'ai été déco. Changement d'hôte, ouais. Alors là, tout le monde, moi, chez moi, tout le monde est à croix. Tout le monde est déco. Moi aussi. Oui, oui, tout le monde est à croix. Massive. Ah ouais. La déconnexion massive. Est-ce que tout le monde... Valérie Damido vient intervenir, c'est déco. Ouais. Ah ouais. Le redépart, un dernier sprint de 5 tours pour finir cette course. Donc on est en 8ème position, objectif, on remonte, on donne tout, on va pousser, on n'a rien à perdre entre guillemets, mais on a quand même des points à assurer, il faut qu'on finisse cette course, c'est parti. Bonne fin de course YouTube, amuse-toi bien. Je peux aussi, je peux me permettre. Bien sûr. Mais ça s'est payé à la fin. Il n'y a pas de tour de formation. Ah oui. Logique. C'est déjà la fin de cup. Putain. Et... Là. Pas le moment que je me fasse peur. Ça passe. Ah ouais, mais non, mais pas là par contre. Oh quel... T'es obligé toi ça, putain. Ah, du coup ça jette. Je pouvais pas plus ralentir, je suis désolé. Mais comme ça s'est retrouvé très très lent devant, je suis désolé ça. Ouais, t'inquiète. Juste sur le coup que je me suis énervé. Terrible de pas avoir de cerveau. Wow, il y avait encore une trace sur les autres là, putain. Stop, pitié quoi. Alors là, il y a eu la consommation électrique de la ville de Brest dans les deux lignes droites. En vrai, pas loin. Hein. Bien sûr. On fait le point avec EDF dans un instant. ERDF, Enedis. Enedis. T'as des dégâts, Gus Gus? Non. On prend quel meilleur tour d'ailleurs? Bah. On vérifie. Bah, on prend celui-là. Hein. On prend le plus rapide, tout simplement. De toute façon, celui-là sera plus rapide, je pense. Ah, ouais, il y a de grandes chances. Mmh. Ouais, vers un DRS devant, c'est mort. Jamais je rentre sur le train. Putain.
C'est toi qui as le DRS ? Oui, oui, c'est moi qui ai le DRS. J'ai lâché. J'ai lâché à l'accélération. Le jeu psychologique. Ça va, Bilo? Je t'ai pas gêné? Ah, ça va. Ok, cool. Allez, on va remonter, les gars, on va remonter. 2 secondes 4, c'est faisable. Un tour, on va tout pousser à fond, à fond, à fond. Je suis mis le Discord pour le dernier tour et je vais essayer de me motiver là. 2 secondes 5, c'est faisable. C'est faisable. On peut aller chercher. Juste que reste le plus beau tour de ma vie et espérer qu'il se plante un peu. Mais à part ça, tranquille. Et vous, ça va? Je suis dévasté quoi. Il coupe, il flingue et derrière on me chope quoi. Ça me détruit ma course quoi. Je vais faire au moins 8 ou 7. Ouais, elle tourne plus la bagnole. Bon, on fout. On peut. Oui, bah oui, sortir, oui. Je peux pas dire. La voiture, elle tient plus. Oh. Wow. Je vais essayer de pêcher à fond. On va essayer de. Ouais, voilà. Rater. Voilà comment perdre une course là. Ah, mais j'étais bien posé. J'aurais pas le DRS, c'est dommage. Ça va être dur, on l'aura pas, je pense, mais on va essayer de pousser. C'est pousser, tout à l'heure qui disait tant la chatte Bilo. Pousser. Moins d'une seconde, il a plus d'énergie non plus. Je vais tenter un dive à la fin. Hein. C'est aberrant. On peut essayer de remonter s'il se loupe un petit peu. On se motive, on se donne. C'est pour achever. Joué Fab. Oh mon Fab. Merci. Rage de mort. Oh putain. Yes. J'ai cru au petit accrochage au dernier tour, c'était. Ah c'était pas loin là, sur le freinage de la chicane. Let's go. On s'est touché. On va chercher. Ce sera pas dernier. Oh bordel. Là, Gus, il manquait un peu de RS, je pense, au dernier tour. Manquait de RS, il manquait. Bah, cela dit, réussite, mais. Je pense j'aurais bien voulu voir comment la course d'avance finissait quoi. Ah oui. Non, moi j'ai. Parce que moi j'avais un tour de moins sur mes pneus que Flo, ça, j'étais dans le DRS, j'étais pas... Il l'a fait! J'ai plus de voix. Je suis fier de vous. Je me suis fier. Bon, c'est pas grave. Ouais, bon, si j'étais pas capable de gagner à vos débuts, bon. Je gagnais beaucoup que vous pensez là. On va prendre le replay. Ah. En tout cas, c'était une course qui était compliquée, il y a beaucoup de problèmes. À consulter le riz. Après, si on diffuse ça, attrape. J'en ai perdu ma voix, au moins force de gober tes boules dans le dernier tour. On prend 2 points. Et voilà, on a fait ce qu'on a pu quoi. Dommage, on n'a pas réussi à choper mieux, mais c'est la course automobile aussi. On peut pas tout avoir pour nous. C'est malheureux, mais bon, c'est des incidents bêtes quoi. Des incidents bêtes qui nous mettent dedans. Ça nous casse le fond plat. Que voulez-vous ? C'est la course. C'est la course. En tout cas, YouTube. Et toi aussi, tu veux participer à la course ? Le lien en description, bien sûr. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je te le répète. Et puis voilà, viens pour ta bonne humeur, parce que moi je suis pas de bonne humeur. mais on va enchaîner sur la Fun Cup dans la prochaine vidéo, et puis nous juste maintenant. Donc ça va être cool. On va se détendre un peu plus sur un circuit plus
du rigolo peut-être, j'espère pas de dégâts, pas de crash et faire une belle course, on verra. Des bisous YouTube, à la prochaine.